Filou, Filou, je crois qu'on a trouvé une gravure préhistorique d'oie. Mais non, Filou! C'est mon petit neveu qui a fait ça. Regardez-moi ça, là. Il y a de l'herbe partout, on peut plus rentrer. Les gens, ils vont même plus voir la porte bientôt. Ouais, mais c'était à Filou de... C'était à toi de tomber, je sais. Dis donc, t'es gonflé. Oh, je l'ai fait la semaine dernière, donc là, mais normalement, c'est le mois dernier, oui. Bon, mais... on fait comment, alors? Mais il faut trouver une solution, de toute façon. Là, je sais, on pourrait acheter des oies. Des oies? Ben oui, les oies, c'est herbivore, ça mange de l'herbe, donc ça va nettoyer le jardin à notre place. Enfin... À votre place. Si, si. Oui. Moi, je vote pour. Je suis pour. Ah, bah, si. Oui, mais on a peut-être besoin de conseils aussi par rapport à ça. Alors, moi, je te propose d'aller rencontrer Daniel et Jean-Yves, qui sont les spécialistes de l'oie du Périgord. Et je pense que tu devrais apprendre pas mal de choses. Bon, c'est une bonne idée. On fait de la soupe en attendant? Ok. Joanne. Bonjour Daniel. Bonjour Paris-Yves. Alors vous venez vous voir toutes les deux parce que j'avais envie d'entendre parler de l'oie du Périgord. En fait, on a envie de mettre des oies autour de l'épicerie parce qu'on a des herbes folles et on ne sait pas comment les entretenir. Les gens ne le savent pas, mais l'oie est herbivore. Et autrefois, toutes les fermes du Périgord avaient leur petit troupeau d'oies. Ça entretenait la prairie devant la porte. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Oui, effectivement, les oies étaient majoritaires en Périgord pour la production du foie gras. Ah oui, et malgré cette raréfaction, vous continuez à utiliser ces produits? Oui, bien sûr, il y a des gaveurs d'oies dans la région. Le foie d'oie, entre autres, est très apprécié par les connaisseurs parce qu'il est très fin. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de constater que des artisans s'intéressent à l'oie. C'est un oiseau très respecté depuis de nombreuses, nombreuses années. Et d'ailleurs, on peut voir dans une grotte près d'ici une des seules répliques de cet oiseau, l'oie. Oui, effectivement, à Cussac, une grotte qui a été découverte il y a quelques années, il y a une gravure d'oie. Ah oui, sur la paroi. Écoutez, en tout cas, moi, tout ça, ça me donne faim. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous, c'est que les Philippes ont préparé à manger une recette mystère. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que vous pourriez nous emmener pour la déguster. Écoutez, je crois qu'il y a un endroit idéal, c'est la halle de Cadouin, à côté de l'abbaye. D'accord. Où va nous rejoindre, si vous voulez, Madame le maire du Bison, qui vous parlera de la grotte de Cussac. On vous suit. La halle de Cadouin est vraiment magnifique, Madame le maire. Vous pouvez me raconter un petit peu son histoire? Un lieu de vie. Au XVe siècle, tout le poids de la halle se porte sur le pilier central. Et c'était le lieu des manifestations économiques de l'époque. Et c'est redevenu un lieu pour les touristes, un lieu économique, un lieu de restauration l'été, un lieu de joie de vivre, en fait. Puisque nous sommes rassemblés autour du thème de l'oie, Daniel, je vous ai amené une gravure de l'oie dans la grotte de Cussac. Regardez, cette œuvre magnifique d'une oie qui paraît être tellement récente. On oublie les moins 30 000 ans. Merci pour toutes ces explications. Nous allons continuer notre échange autour de l'oie du Périgord avec une très belle recette suggérée par Daniel aux deux Philippe. Donc c'est une soupe de printemps à l'oie du Périgord. Et ils nous l'ont préparée avec amour ce matin. Donc on va pouvoir la déguster, je vais vous dresser ça dans les assiettes.